Bonjour à toutes, je vous présente donc ceci qui est une brassière 6 mois. Donc la brassière 6 mois, c'est ce que je vais tricoter. Je vous explique, en fait elle est simple, c'est tout au point mousse. Je vais expliquer donc les 4 tailles, donc il y aura taille préma, taille naissance, taille 3 mois et celle que j'ai tricotée c'est une taille 4 mois. Donc pour la taille 4 mois, faut prévoir 4 pelotes de laine. Pour le 6 mois, parce que j'ai utilisé 4 pelotes pour faire mon 6 mois. Vous pouvez, enfin moi je l'ai fait en plusieurs couleurs, pour la bonne unique raison, c'est que il me semblait que j'avais 4 pelotes de la même couleur. Et je me suis rendu compte que j'avais deux autres pelotes violets qui n'étaient pas du tout pareilles. Du coup, j'ai changé en cours de route, j'ai fait un bicolore. Mais vous pouvez très bien faire d'une seule tenant couleur, qui peut être très sympa aussi. Très simple parce que c'est que du point mousse, tout simplement. Donc ici, il y a une petite bavette qui en fait une petite déco pour la brassière et qui s'ouvre et se ferme par le dos par deux pressions. Donc voici les deux pressions. Donc un pull, enfin une brassière qui est sympa pour cet hiver, tiendra très chaud. J'ai pas gardé les étiquettes. D'habitude, je garde les étiquettes et là, je sais pas. Vu que je voyage en cours de route entre ma formation et ici, j'ai dû balancer les étiquettes en même temps. Je sais pas ce que j'en ai fait. Pour toutes les tailles, j'utilise la taille numéro 3 en aiguille. Pour toutes les tailles. C'est la même chose. Après, je rentre dans les détails du nombre de mailles et tout ça au fur et à mesure. La laine, ben, c'est de la laine qui se tricote en 3. 3, 3,5, tout simplement. Donc, moi, c'est une laine qui se tricote en 3, 3,5. Et je n'ai pas ma petite étiquette que d'habitude je présente. Je suis désolée. À vouloir faire plein de choses en même temps, bah on mélange un peu les pinceaux. Donc voilà. Ça a été un exercice pas très simple pour moi, parce que expliquer plusieurs tailles en même temps, tout en tricotant, c'est pas très évident. J'espère que la vidéo vous plaira quand même. Donc du coup, je tricote pas beaucoup devant vous. J'explique surtout beaucoup au niveau des dimensions. De toute façon, c'est que du point mousse, donc c'est que des points à l'endroit. Rien de compliqué, c'est tout. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc c'était un essai pour ma part d'essayer d'expliquer plusieurs tailles, parce que souvent on me demande plusieurs tailles. Je ne le referai plus. je préfère tricoter... et avoir ma tête sur une taille et pas plusieurs en même temps, parce qu'on a tendance à plus savoir où on en est, et les centimètres on a tendance à les mélanger aussi en même temps. Donc faire plein de choses en même temps, enfin, là surtout en ce moment, c'est pas trop pour moi. Mais bon, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Puis ben, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Je voulais remercier toutes celles qui me suivent et qui s'abonnent à ma chaîne. Je vous dis grand merci. J'ai 12 000, un peu plus de 12 000 abonnés à l'heure d'aujourd'hui. Très surprise. Donc je voulais vous remercier en tout cas de me suivre comme vous le faites. Donc c'était juste un petit clin d'œil. Je repars donc en formation, révision à fond, parce que le fin du mois je passe donc
J'ai mes dates enfin pour mon examen, donc ça sera fin du mois, début du mois de décembre. Donc vous en aurez des nouvelles par la suite. Donc je vous souhaite bonne soirée, bonne journée, bonne soirée, bon tricot et à bientôt. Donc je vais vous lancer la suite du tricot pour vous expliquer toutes les tailles. Donc je vais expliquer les quatre tailles. Je vais essayer, j'espère que ça sera clair pour tout le monde. Donc là, pour toutes les tailles, on est en aiguille numéro 3. D'accord? On monte pour les prématurés 32 mailles. Pour la taille naissance, 33 mailles. Pour la taille 3 mois, 34 mailles. Et moi, je tricote la taille 6 mois, 37 mailles. D'accord? Donc tout se tricote au point mousse. Donc tout à l'endroit. C'est très simple. Pour la taille prématurée, on va tricoter 11 cm de hauteur totale. Donc c'est-à-dire de votre démarrage jusqu'à obtenir 11 cm. Pour la taille naissance, ça sera 13 cm. D'accord? La taille 3 mois, on va aller jusqu'à 15 cm de hauteur totale. Et pour la taille 6 mois que je vais faire, j'irai jusqu'à 17 cm de hauteur totale. Une fois que vous avez tricoté donc les centimètres suivant la taille que vous voulez, on se retrouve. Donc une fois que vous avez la hauteur, donc là la hauteur totale souhaitée, donc moi c'est 17 cm. Donc là, pour moi, ça sera une taille 6 mois, 17 cm. Donc je répète, pour le préma, c'est 11 cm total. Pour la naissance, c'est 13 cm. Pour les 3 mois, c'est 15 cm. Et pour le 6 mois, c'est 17 cm. Donc une fois que vous avez obtenu la hauteur désirée, on va faire les manches et on va faire une augmentation donc ici à droite. Alors pour le préma, ça sera 35 mailles. Pour la naissance, 39 mailles. Pour le 3 mois, 50 mailles. Et pour moi, donc le 6 mois, 55 mailles. Donc pour cela, bien noté sur un papier hein, pour être sûr hein, parce que comme je fais, moi je tricote du 6 mois, si vous voulez faire un préma, vous n'avez pas les mêmes nombres de mailles, les mêmes hauteurs de centimètres. Donc n'hésitez pas à noter au cas où si vous oubliez. Donc pour moi, je pars sur mes 55 mailles. Donc pour cela, je fais une augmentation. Donc je prends mon fil comme ça. Donc ici, il est devant. Comme je ne sais pas si vous voyez, ça fait une. Ça se croise. Et donc là, je vais dans mon pouce. Vous voyez, ça se croise. Et ça fait une. Deux augmentations. 3 augmentations, 4, 5, 6, le fil de mon aiguille en fait il vient dessus, 7, 8, 9, 10, vous voyez mon fil tendu, je mets mon pouce comme ça, je retourne et mon fil est dessus. Alors je ne sais plus du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
35. Donc ça c'est pour le préma. 36, 37, 38, 39 pour la naissance. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, c'est pour le 3 mois. 51, 52, 53, 54, 55 et 56 pour le 6 mois. 56, non, 55, je lui dis. 55 pour le 6 mois. Une fois que j'ai fait ça, donc normalement, j'ai obtenu 92 mailles. Et ces 92 mailles, je vais les tricoter pendant 18 cm. 18 cm pour la manche. Donc là, on était à 17. Donc 17 plus les 18. Vous avez la hauteur totale pour, en fait, s'arrêter. D'accord ? Non, je raconte des bêtises. Je regarde ma feuille. Ah oui, non, 18 cm. C'était les prémas. Donc, je reprends. Le nombre de mailles obtenues pour le préma, c'est 67 mailles. Pour la naissance, en tout, vous avez 72 mailles. Pour le 3 mois, vous avez 84 mailles. Et le 6 mois, 92 mailles. Pour le préma, on va continuer à tricoter jusqu'à obtenir 18 cm de hauteur totale, du bas jusqu'en haut. 18 cm. La naissance, 21 cm de hauteur totale. Le 3 mois, 24. Et le 6 mois, 27 cm. Donc là, on est à 17. Donc je vais continuer à tricoter 10 cm avec ma manche. D'accord? J'espère que c'est clair. Et je vous dis à tout de suite. Donc, comme on a augmenté, hein, donc on tricote hein, toutes ces mailles-là. Toujours au point de mousse. Hein. Donc, les mailles qu'on a augmentées, bien sûr, sont toujours un peu compliquées à faire au début. Vous prenez votre temps, il n'y a pas la course, hein, et vous les tricotez tous, donc au point de mousse, tout à l'endroit. Et une fois que vous avez obtenu votre hauteur désirée suivant la taille que vous faites, on se retrouve. Et je vous dis à tout de suite. Donc voilà. Donc pour les primas, c'était 18 cm de hauteur totale. Pour la naissance, 21 cm de hauteur totale. 3 mois, 24 cm de hauteur totale. Et les 6 mois comme moi, 27 cm de hauteur totale. Une fois qu'on a bien la longueur souhaitée, donc voilà, 27 cm, nous allons faire l'encolure. Donc là, c'était mon fil de démarrage, donc je me suis arrêtée du côté ici. Je ne vais pas filmer, mais je vais tricoter un rang pour venir de ce côté-ci. D'accord? Donc, si vous vous êtes arrêté de ce côté-là, vous attendez. Autrement, si vous êtes comme moi, vous êtes arrêté ici du côté du fil de démarrage, eh ben vous faites un rang en entier et on se retrouve une fois arrivé ici. Hop, parce que l'encolure, bien sûr, ça ne fait pas au niveau de la manche. Mais ici à l'intérieur. Donc je vais tricoter mon rang
Hop, je vais tirer un peu de laine déjà. Et on va se retrouver une fois que mon rang sera fini. Et je vais vous expliquer comment, ce qu'on va faire au niveau de l'encolure. Tout simplement. Il n'y a rien de compliqué non plus à ce niveau-là. Donc il reste pas grand chose à tricoter et on a fini le premier morceau. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment simple à faire. Vous allez voir, pour l'encolure, il n'y a vraiment strictement rien à faire. Du coup, je filme ce que je suis en train de faire. Donc, tricoter mon rang pour être du bon côté pour l'encolure. Il reste quoi? 1 cm à tricoter et on a fini. Le premier morceau, en tout cas. Le deuxième morceau, ça va être la même chose. Bien sûr, identique, mais tricoté. Donc, dans le sens inverse. Pour avoir la manche de l'autre côté. Et l'encolure qui sera de l'autre côté aussi. Donc, ça sera le même effet miroir, mais à l'envers. Et vous allez voir, c'est très très simple, il n'y a rien de compliqué. Je filmerai pas tout, mais je vais vous expliquer pour celles qui ont du mal à faire en sens inverse le même, même morceau. Je vais vous expliquer. Alors, je vous redonnerai pas les dimensions, mais... j'espère que vous avez tout noté. Par contre, je vais vous expliquer à quel moment et comment faire pour augmenter les manches. Et après, je vous reprendrai pour l'encolure. Donc, je ne redonnerai pas les dimensions. Ça sera exactement les mêmes. Donc, voilà. Je suis arrivée donc ici. Donc, mon côté rempli. Et là, j'ai la manche. Donc de ce côté-là, vous avez vu, j'ai fait un rond, j'ai pas trop le choix. Donc, vous allez rabattre des mailles pour la taille prématurée. Il va falloir rabattre 12 mailles. Pour la taille naissance, 13 mailles. Pour le 3 mois, 14 mailles. Et pour le 6 mois, 16 mailles. Ok. Donc, c'est tout simple. Donc, toujours point mousse, vu qu'on est toujours au point mousse. Donc, tricote, je prends une maille et je passe par-dessus. Ça me fait 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, ça serait pour le préma. 13 pour la taille naissance, 14 pour le 3 mois, 15 et 16 donc pour le 6 mois. Donc c'est bon. Pour le préma, il vous reste
55 mailles. Pour la taille naissance, il vous reste 59 mailles. Pour le 3 mois, il vous reste 70 mailles. Et pour le 6 mois, 76. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 75, 76. 76 avec celle qui est toute seule ici. Donc j'ai bien mes 76 mailles. Et donc là, je vais continuer à tricoter. Alors pour la taille préma, tu ris, en tout, vous devez avoir 19 cm. Donc vous devez avoir peut-être un aller, un retour à faire. Il n'y a vraiment pas grand-chose à tricoter. Une fois que vous avez vos 19 cm de hauteur totale, vous rabattez. La taille naissance, donc il vous reste 59 mailles, et vous devez tricoter 22 cm de hauteur totale. Une fois les 22 cm atteints, vous rabattez toutes les mailles. La taille 3 mois, il vous reste 70 mailles. Vous devez tricoter 25 cm de hauteur totale. Une fois que vous avez vos 25 cm, vous rabattez toutes les mailles. Et le 6 mois, il me reste 76 mailles. Je dois tricoter 28 cm de hauteur totale. Et une fois atteint ces 28 cm, je rabats toutes mes mailles. Donc ça doit être, on va dire, 2-3 rangs à tout casser. Hein. Il n'y a pas grand chose à tricoter en fait. Hein. 1 cm, vu qu'on était, pour le 6 mois, on était à 27, là à 28, il y a à peine 1 cm à faire. Donc, je pense, donc un rang avec celui-ci, un aller encore et un retour, je vois, trois rangs, on aurait à peu près trois rangs à tricoter, et on devrait être pas trop mal, on devrait être à 28 cm, ou même pour les autres, hein, il n'y a pas grand chose à tricoter, hein, donc ne tricotez pas beaucoup de rangs, surveillez bien parce que là au final on arrive sur la fin. Il n'y a pas grand chose à tricoter. Hop. Donc je vais continuer pour obtenir mes 28 cm de hauteur totale. Alors je termine le rang, je vais mesurer pour vous. Donc voilà, j'ai tricoté donc un aller-retour. Donc, comme vous pouvez voir, hop, je suis ici, hein, côté de la manche. Donc, côté endroit. Et quand je mesure, hein, donc j'ai tricoté deux rangs. Et je suis bien à 28 cm. Donc voilà. Donc, comme je suis à 28 cm, donc on rabat, tout simplement. Donc je répète, pour les prémas, c'était 19 cm de hauteur, vous rabattez. La naissance, 22 cm de hauteur totale, vous rabattez. 3 mois, 25 cm de hauteur totale, vous rabattez. Et les 6 mois, 28 cm de hauteur totale, et vous rabattez. Donc, hop. Je tricote, je passe par-dessus, je tricote et je passe par-dessus. Donc voilà. Donc je ne vais pas finir tout le rang. Hein. Enfin, une fois que vous avez rabattu, hein, vous pouvez laisser un peu de fil. Hein. Enfin, moi je vais laisser du fil pour la couture, hein, pour coudre la deuxième manche qui ira avec. Enfin, moi je prévois toujours des longueurs de fil. Hein. Souvent peut-être même un peu trop, mais bon, tant pis. Donc, je prévois toujours du fil
pour ma couture, quoi qu'il arrive. L'autre côté. Donc, vous tricotez la même chose qu'au démarrage. Hop. Alors, je vais vous montrer. Hop. Stoppez là. Vous reprenez ici. Vous tricotez jusqu'ici. Et pour installer la manche, donc qui ne sera pas de ce côté-là, mais qui sera de l'autre côté. Donc, une fois que vous aurez fait ça, on se retrouve pour que je vous montre comment on fait la manche de l'autre côté, tout simplement. D'accord? Une fois que je vous aurai montré comment monter la manche de ce côté-là, je vous laisse tricoter le reste. Donc, je ne vais pas filmer. Hein. Et je vous reprendrai pour faire ce qu'on vient de faire ici, qui sera ici, de l'autre côté. C'est tout. La deuxième partie, je ne vais pas la filmer et redonner toutes les dimensions. C'est exactement la même chose, c'est exactement les mêmes dimensions, le nombre de mailles, totalement pareil. La seule chose qu'il y aura, c'est la manche, au lieu d'être là, elle sera ici. Et l'encolure, au lieu d'être de ce côté-là, sera ici. Donc j'aurai ma manche et l'encolure. Tout simplement. Donc je vous dis à tout à l'heure, une fois que vous aurez tricoté cette partie-là. A tout de suite. Donc voilà, j'ai ma hauteur souhaitée. Donc après, c'est vous qui voyez suivant quelle taille que vous faites. Donc vous vous rappelez, une fois qu'on avait notre hauteur désirée, donc on est ici, et on faisait des augmentations ici, donc pour cette manche-là. D'accord? Moi maintenant, je veux la manche ici. Donc pour cela, on va le fil qui est ici, vous voyez, hop, mon fil de départ qui est là. Je vais faire le rang en entier. Et au lieu de faire les augmentations au début du rang, donc on va faire les augmentations à la fin du rang. Donc, je tricote tout mon rang, donc toujours au point mousse. Et on va faire les augmentations à la fin du rang, tout simplement. Et vous faites donc le même nombre d'augmentations que vous avez fait sur votre première partie. Donc, voilà. Et on fait pareil, les augmentations à la fin. Donc, au lieu de faire les augmentations au début, on fait les augmentations à la fin du rang. Donc, vous faites le même nombre d'augmentations que vous aviez fait ici pour la premier morceau. Vous tricotez exactement... Donc la même chose, même nombre de centimètres avant qu'on attaque le col. Donc ça, suivant la taille que vous faites. Donc moi, comme c'est du 6 mois, je vais tricoter donc 27 cm de hauteur. Et après, on fera la diminution pour le col et on terminera à 28 cm de hauteur pour le 6 mois. Donc après, suivant la taille que vous avez fait, donc ça sera exactement les mêmes mesures. La seule chose qui différencie, c'est tout simplement
les manches d'un côté et les diminutions de l'encolure de l'autre côté. Donc une fois que vous avez fait le nombre de centimètres, enfin le nombre de manches rajoutées déjà, vous rajoutez ici, continuez à tricoter et on se retrouve pour la diminution de l'encolure. Donc une fois qu'on a obtenu la hauteur suivant la taille qu'on fait, donc moi c'est du 6 mois, hein. Donc ici, hop, j'ai mon fil de départ qui est là. Donc je me suis arrêtée ici. L'autre côté, j'ai ma manche, d'accord? Vous voyez, je suis là, mon fil est là. Et là, c'est ma manche. Et donc, on va faire les diminutions de l'encolure dès le début. Donc on fait l'inverse de ce qu'on a fait sur l'autre partie en fait. Donc là, vous réduisez le même nombre de mailles que vous avez fait avec la première partie. Donc moi c'est 16 hein, parce que c'est du 6 mois. Une fois que j'ai rabattu mes 16 mailles, ben, je continue à tricoter hein, jusqu'à obtenir la hauteur définitive comme pour la première partie. Donc moi ça sera 28 cm pour le 6 mois. Et une fois que j'ai mes 28 cm, ben, une fois que vous avez votre hauteur, vous rabattez toutes les mailles comme on a fait de l'autre côté. Tout simplement. Et je vais vous montrer ce que ça donne pour que vous vous repérez bien. Termine mon rond et je reprends. Donc voilà ce que vous obtenez. Donc ça c'est la dernière partie qu'on a faite. Donc ça c'est la première. Hop. Donc la première partie, hein, dont on avait fait la manche ici là, et la deuxième partie, hein, dont le fil de démarrage toujours présent de ce côté-là, comme ici, hein, fil de démarrage qui est là, et on a fait l'encolure qui est là et la manche. Donc voilà, et quand vous mettez côte à côte, voilà ce que ça donne. Donc exactement la même chose vu qu'on prend les mêmes dimensions et on refait l'encolure qu'on avait fait ici, on la refait ici et la manche. Et donc et la hauteur totale, toujours garder les mêmes dimensions pour refaire exactement la même chose à l'envers. Donc j'espère que cette partie-là sera bonne pour vous. Donc le dos, il est fait. Nous allons attaquer ben, tout simplement l'avant. Donc on se retrouve, à tout de suite. Donc pour le devant, donc moi comme vous avez pu voir la présentation, je fais plusieurs couleurs. Donc ici j'ai fait 11 rangs en violet et après je suis passée en vert. Après vous pouvez très bien le faire d'une seule couleur. Hein. Mais
Je pense qu'il y aura sûrement des gens qui vont me demander. Donc j'ai fait 11 en violet. Hein. Et ce qui fait la petite barre, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai un petit point vert ici. D'accord? Donc je trouvais ça sympa. Pour, alors je vais donner pour le devant, pour chaque taille. Donc le devant, donc toujours en aiguille 3. Hein. Pour les prématurés, on monte 58 mailles et vous tricotez pendant 9 cm. 9 cm de hauteur totale. D'accord? Pour les naissances, vous montez 60 mailles et vous tricotez 12 cm de hauteur totale. Pour les 3 mois, vous montez 62 mailles. Et vous tricotez 13 cm de hauteur totale. Et pour le 6 mois que j'ai fait, donc 68 mailles. Et on tricote pendant 16 cm de hauteur totale. Une fois que vous avez vos dimensions faites, donc moi j'ai mis 16 cm. Bien plat. Une fois que j'ai mes mesures souhaitées, donc là moi c'est 16 cm hein, vu que je fais du 6 mois, nous allons mettre de chaque côté des mailles de côté et nous allons tricoter ici au milieu, d'accord? Donc je vais donner pour les prématurés, vous allez mettre 20 mailles de côté, de chaque côté. 20 mailles ici, 20 mailles là. Vous mettez soit sur une aiguille, une arête aiguille ou sur un fil, c'est à mettre en attente. Pour la naissance, c'est 20 mailles aussi de chaque côté. Pour le 3 mois, 20 mailles de chaque côté. Et pour le 6 mois, c'est 21 mailles de chaque côté. D'accord? Donc, hop, j'ai pas ça. Donc, ici, nous allons mettre, je vois que j'ai pas mon aiguille, tant pis. Je vais les arrêter ici. Hop, donc on tricote pas. Pour celles qui mettent sur une aiguille auxiliaire, on fait glisser. Donc moi j'ai 21 mailles à mettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Je ne les fais pas tourner, hein, je les prends, comme vous voyez, hein, je prends comme elles sont et je fais glisser. Je ne cherche pas à les prendre comme ça. Vous allez tout retourner, quand vous allez reprendre votre travail, ça va être un peu galère. Donc je les prends vraiment comme elles sont, d'accord? J'avais bien dit 21, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Alors, hop, moi je les fais glisser sur mon fil. Et de l'autre côté, bah, j'en mets 21 aussi de côté. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 21. Comme ça. Et donc voilà ce qui doit me rester. D'accord? Donc au centre, donc pour les primas ici, ce qui vous reste normalement c'est 18 mailles.
Pour la naissance, 20 mailles. Pour les 3 mois, 22 mailles. Et pour les 6 mois, 26 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 26. Pour mon cas, c'est bien le cas, 26 mailles. Une fois qu'on a ça, on va tout simplement tricoter. Donc, hop, ça du coup, si je reprenais mon travail à l'endroit, ça serait mieux. Ce serait plus facile pour moi. Hop. Voilà. Une fois qu'on a nos mailles centrales correctes, nous allons tricoter ici. Donc moi, ça sera les 26 mailles. Donc là, je change de couleur pour mettre un petit peu de peps. Un petit brin de... Et nous allons... Alors, pour ma part... Alors, pour la... Pour les prémas, vous allez continuer à tricoter les 18 mailles pendant 17 cm de hauteur totale. Du bas vers en haut, ça fera 17 cm. D'accord? Pour la naissance, donc vous allez tricoter les 20 mailles centrales pendant 20 cm, donc 0 à 20 cm de hauteur totale. Le 3 mois, vous avez 22 mailles centrales. Excusez-moi, c'est 22 mailles centrales. Et vous allez tricoter 23 cm de hauteur totale. Et pour le 6 mois, donc j'ai bien 26 mailles, qui est ici. Et je vais tricoter pendant 26 cm de hauteur totale. Donc je prends tout le temps, ici en bas, mon démarrage, jusqu'à obtenir 26 cm. D'accord ? Total, c'est on part d'en bas, démarrage de l'ouvrage, jusqu'à obtenir le nombre de centimètres suivant la taille que vous tricotez. Ok ? Et on se retrouve donc toujours au point de mousse. Hein. Il n'y a pas de changement pour ça. A tout de suite. Une fois que j'ai ma hauteur hein, donc désirée, hein, donc là moi c'était 26 cm hein, pour le 6 mois. Donc, je rabats toutes les mailles. Tout simplement. Voilà ce que ça fait. Un petit carré. Donc, maintenant, je reprends à droite. Donc, hop, je le mets face à moi. Donc là, c'est mon avant. Donc ici à droite, je repasse toutes les mailles de nouveau sur mon aiguille. Donc comme je les avais mis en attente, je les reprends comme tout à l'heure, hein, normal. Je glisse mon aiguille dedans et je les fais glisser. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc... j'en suis où? On va rajouter des mailles ici. Donc pour toutes les tailles, on aura 5 mailles à rajouter. Donc préma, naissance, 3 mois, 6 mois, on rajoute toutes 5 mailles ici pour tout le monde. Sachant que pour le préma, vous avez 20 mailles, la naissance, 20 mailles, le 3 mois, 20 mailles, et le 26 mois, 21 mailles. Donc ça veut dire que quand on va rajouter nos 5 mailles ici, donc là, pour le préma, ça fera 25 mailles au total, la naissance, 25 mailles, le 3 mois, 25 mailles, et le 6 mois, 26 mailles, du côté droit. Alors,
on va tricoter tout à l'endroit jusqu'à l'extrémité et on va faire une augmentation de 5 mailles. Donc là j'ai mes 21 et je rajoute 5 mailles, donc pareil, mon fil il est là, je mets mon pouce derrière, je remonte, le fil de mon aiguille il vient se croiser sur l'autre fil, donc ça fait une augmentation, 2, 3, 4 et 5. Une fois que j'ai fait mes 5 augmentations, je tourne mon travail et on va tricoter toutes les mailles qu'on a. Donc au début, bien sûr, les mailles qu'on augmente ne sont pas faciles à tricoter. Vous prenez votre temps. C'est pas la course. Plus important, c'est pas d'en perdre. C'est de bien garder toutes nos mailles. Hop. Et voilà. Et nous avons nos 26 mailles tricotées. D'accord? Alors, enfin, 26 pour moi, 25 pour les autres tailles. Vu que moi, c'est du 6 mois. Donc, à partir de là, on va travailler ces mailles ici. Hein. Jusqu'à obtenir, alors pour les prématurés 11 cm, pour la naissance 13, pour les 3 mois 15 cm et pour le taille 6 mois 17 cm. Vous vous rappelez qu'ici on avait arrêté à 16, d'accord, 16 de haut. Donc là on va tricoter jusqu'à obtenir 17 cm. Une fois qu'on a nos 17, hop, donc j'ai pas grand chose, hein, je dois avoir deux mailles, deux rangs encore à faire. On revient ici, hein, donc on s'arrête à nouveau ici. Et là, on va rajouter les mailles pour la manche. D'accord? Donc, je répète, pour le, 13, le prématuré, en tout, vous avez 25 mailles. Après l'augmentation, vous obtenez 25 mailles. Vous tricotez jusqu'à obtenir 11 cm de hauteur totale, côté droit. Pour la naissance, vous avez 25 mailles et vous devez tricoter 13 cm de hauteur totale. Le 3 mois, vous obtenez 25 mailles et vous tricotez pendant 15 cm de hauteur totale. Et pour le 6 mois, on obtient 26 mailles et on va tricoter jusqu'à obtenir 17 cm de hauteur totale. Et une fois que vous avez bien vos centimètres acquis, on se retrouve pour faire l'augmentation de la manche. A tout de suite. Bonjour. Donc, une fois qu'on a mesuré la hauteur souhaité, donc là comme c'est du 6 mois, fallait que j'aille jusqu'à 26 cm. Hop. Je sais pas si vous voyez, hein, 26 cm. Une fois qu'on a la mesure qu'on doit avoir pour la taille,
Donc là, moi, je suis ici au démarrage. Je vais faire un rang tricoté, tout le rang en entier. Et donc, il faut qu'on se retrouve côté ici en colure. Donc, on avait fait notre morceau ici. Hein. Donc, il faut qu'on se retrouve de ce côté-ci. Et une fois qu'on sera, enfin, que vous aurez fait votre, votre rang, on se retrouve. Donc, me voici donc côté en colure. Hein. Hop. Je vais pour toutes, je dis bien toutes les tailles, on va rabattre 5 mailles pour tout le monde. Donc, préma, naissance, 3 mois, 6 mois, on va réduire 5 mailles. Donc je tricote une deuxième et je rabats. Donc ça fait une. Ça fait deux. Ça fait trois. Ça fait quatre. Et cinq. Oups là. Je recommence ma cinquième. Voilà. J'ai rabattu mes 5 mailles. Une fois que j'ai rabattu mes 5 mailles, pour la taille prématurée, vous continuez à tricoter jusqu'à obtenir 19 cm de hauteur totale. Pour la naissance, vous continuez à tricoter jusqu'à obtenir 22 cm de hauteur totale. Pour le 3 mois, vous continuez à tricoter jusqu'à obtenir 25 cm de hauteur totale. Et pour le 6 mois, on continue à tricoter jusqu'à obtenir 28 cm de hauteur totale. Une fois qu'on a notre hauteur en cm, on fait comme on a fait ici, on rabat tout simplement. D'accord ? Donc, je vous laisse tricoter à la hauteur que vous souhaitez faire, suivant la taille que vous tricotez. Une fois que vous obtenez ce qu'il faut en centimètres, vous rabattez toutes les mailles. Et on se retrouve pour le dernier morceau, c'est-à-dire de ce côté-ci. D'accord ? De l'autre côté pour faire la deuxième manche. Je vous dis à tout de suite. Donc une fois qu'on a obtenu la hauteur suivant la taille que vous faites, hein, donc vous vous rappelez, on a fait la diminution, on a continué à tricoter pour obtenir, donc là moi c'est du 6 mois, donc 28 cm de hauteur total, donc du bas jusqu'en haut, et j'ai rabattu. Comme on avait fait pour celui-ci, hormis que ici pour l'encolure on avait de diminuer plus de mailles, mais c'est exactement la même chose. Ici on reprend donc le dernier côté qui nous reste, donc vous avez normalement vos mailles en attente suivant les tailles que vous avez, voilà, suivant la taille que vous souhaitez tricoter. Pour cela on va faire comme ici, hein. Donc à l'opposé, ici on avait commencé à tricoter puis augmenter pour avoir les 5 mailles ici, d'accord. Comme là on commence du côté ici, donc à l'intérieur, on va commencer par faire 5 augmentations, d'accord. Donc pour cela, mes 5 augmentations, donc hop, je prends mon aiguille et je monte 5 mailles sur mon aiguille, donc 2 3 4
et 5. Ok? Donc, hop, j'installe là. Une fois que j'ai mes 1, 2, 3, 4, donc 5 mailles, je vérifie que j'ai bien mes 5 mailles. Et du coup, mes 5 mailles sont ici. Je vais continuer mon rang. Donc je prends mes mailles en attente et je viens les tricoter à la suite, tout simplement. Hop. Donc tout à l'endroit. Alors moi je fais que un rang en vert parce que je vais passer en rose. Pour pouvoir faire la suite, bien entendu. Alors, hop. Donc, on a fait notre rang. On tourne notre travail et on va retricoter un rang. On va tricoter, parce qu'on est enfin, pour la taille 6 mois, on s'était arrêté à 16 cm de hauteur totale. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Hein. Et là, on va tricoter pour obtenir 17 cm de hauteur totale. Pour la taille 6 mois. Pour la taille 3 mois, vous devez tricoter 15 cm de hauteur totale après vos augmentations, après l'augmentation des 5. Pour la taille naissance, 13 cm de hauteur totale, puis la taille préma, 11 cm de hauteur totale. On refait exactement la même chose que ce qu'on a fait ce côté-ci, avec la manche. C'est exactement les mêmes dimensions. Et on va refaire la même chose, mais bien sûr, à l'envers. Pour obtenir exactement quelque chose de symétrique, bien sûr. Hop. Resserrer un peu, ça se défait. Hop. Alors. Et une fois que vous avez obtenu, donc là je refais un rang. Normalement, je devrais avoir ma hauteur totale. De toute façon, c'est toujours au point mousse. Hop. Voilà. Alors, je vais vérifier ma hauteur en espérant que je suis bien. Hop. Alors, hop, si je mettais dans l'autre sens, ça serait mieux. Toujours mettre bien à plat. Et donc là, je suis bien à mes 17 cm de hauteur totale. Donc j'ai mes 17 cm. Donc là, j'arrête avec mon
fil vert, j'ai pas le ciseau donc je couperai tout à l'heure, et on va faire tout simplement monter, donc à suivre ici, hein, on va monter, hein. Alors pour la taille prématurée, 35 mailles pour la manche, comme tout à l'heure, c'est même la même chose. Pour la taille naissance, 39 mailles. Pour la taille 3 mois, 50 mailles. Et pour la taille 6 mois, 55 mailles. Donc, je vais monter mes 55 mailles. Okay, hop. Oula, je suis partie comment là? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. En fait, le dernier rang, j'aurais dû le faire en rose. Tant pis. 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Et 20. 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 et 55. Une fois que j'ai monté mes 55 mailles, alors le dernier rang ici, en fait, j'aurais dû le tricoter en rose et pas en vert. Tant pis, j'aurais un petit décalage. Je vais pas le défaire là devant vous, hein. Du coup j'ai monté en rose 55 mailles pour ma manche et donc on obtient en tout pour la taille pré-moi 60 mailles, pour la taille naissance 64 mailles, pour la taille 3 mois 75 mailles. Et pour la taille 6 mois, on obtient 81 mailles. D'accord? Et on va tricoter comme ceci jusqu'à obtenir, donc comme on avait fait avec l'autre, de ce côté-ci. Donc une fois qu'on avait monté nos mailles, on a continué à tricoter. Donc pour la taille préma, 17 cm de hauteur totale. Pour la taille naissance, 20 cm de hauteur totale. Pour la taille naissance, 23 cm de hauteur totale. Et pour les 6 mois, 26 cm de hauteur totale. Une fois que vous obtenez donc votre hauteur totale, on se retrouve pour faire l'encolure. Donc rabattre ici les mailles pour faire l'encolure. D'accord ? Donc, on se retrouve une fois votre hauteur souhaitée. À tout à l'heure. Donc, une fois qu'on obtient la hauteur désirée, hein, c'est comme tout le monde ne fera
sûrement pas la même taille. Donc là, je répète, c'est du 6 mois. Donc il fallait que je tricote jusqu'à obtenir 26 cm. Chose faite. Hein, du haut jusqu'en bas. Donc j'ai 26 cm. Vous voyez, hein, là-haut. Jusqu'en bas, j'ai 26 cm. Donc après, pour les autres tailles, ce n'est pas les mêmes centimètres. Une fois qu'on a ça, donc moi je suis arrivée, hop, du côté de l'encolure, ok, donc je suis à l'intérieur. Je vais faire comme on a fait tout à l'heure, ici, diminuer 5 mailles. Tout simplement. Hop. Alors, faut que je remette mes mailles sur mon aiguille. Voilà. Donc maintenant, je vais donc pour toutes les tailles, nous allons rabattre 5 mailles. Donc pour tout le monde. Donc je tricote une, je tricote une deuxième et je rabats. Donc ça fait une maille. Tricote, rabat, 2 mailles. Tricote, je rabats, ça m'en fait 3. Je tricote, je rabats, ça m'en fait 4. Je tricote, je rabats, ça m'en fait 5. Donc là, je vais continuer à tricoter. Et comme tout à l'heure, on va faire la même chose. Donc c'est-à-dire, pour la taille Prima, 19 cm de hauteur totale, comme on a fait ici. Une fois qu'on a les 19 cm, on rabat tout. Pour la taille naissance, donc il faut tricoter 22 cm, puis on rabat tout. Pour la taille 3 mois, 25 cm de haut et on rabat tout. Et pour la taille 6 mois, donc moi ce que je vais faire, tricoter 28 cm. Une fois que j'ai mes 28 cm, je rabats tout simplement. Et on se retrouve pour la couture. Donc voilà, j'ai fini, donc j'ai tout rabattu mes dernières mailles. Donc j'ai commencé la couture, ben, d'un côté, hein, parce que je vais pas montrer la couture tout pour tout. Je vais juste vous montrer comment je fais. Après, chacun a sa méthode pour la couture. Donc ce petit haut, en fait, ici, hein, donc voilà ce que ça donne. Et là, moi, je couds donc les boutons avec les deux parties qui fait ceci. D'accord? Et donc l'ouverture de la brassière se fera au dos, tout simplement. Donc je vais commencer. Donc j'ai cousu bien sûr un côté. Hein. Donc j'ai cousu ici le côté, puis j'ai monté, puis après j'ai fait la couture, hop, de la manche. Donc le côté ici, je monte et je termine par la manche, et je reprends comme j'avais laissé du fil la couture du dessus, qui est exactement la même chose que ici. Donc je vais vous montrer ici comment j'ai fait, et vous montrer comment j'ai fait ici la couture du dessous. C'est exactement la même chose qu'au-dessus. Donc je vais juste vous montrer. Après, si vous avez une meilleure technique pour la couture, je vous en prie, faites à votre guise. Moi, je montre seulement ce que je fais. Donc voilà. Alors par contre, j'ai fait une bêtise, parce que en fait, j'ai voulu ramasser tous les fils gênants, hein. Donc vous voyez, je les ai ramassés ici, hein. Et dans ma précipitation, j'ai tout ramassé, mes fils, donc j'ai plus aucun fil pour faire ma couture ici. Donc
C'est pas grave. J'ai attaché donc un fil ici. Le petit bout qui sort là, j'irai le planquer à l'intérieur. Ni vu ni connu. Tout simplement. Alors, donc pour ce côté-là, donc là je suis côté endroit. Côté endroit. Je vais tout simplement faire ici une petite boule. Je glisse mon aiguille dedans. Et en face, une petite boule. Tout simplement. Et je vais continuer comme ceci jusqu'en haut. Une petite boule. Une petite boule. Normalement, si vous avez bien tricoté les mêmes mesures, hein, tricoté tout le temps de la même façon, logiquement, ou d'un côté ou de l'autre, hein, vu que c'est les mêmes mesures, vous devez obtenir exactement le même nombre de rangs. Sauf si vous avez tricoté très large d'un côté et plus serré de l'autre. Et je continue comme ça tout du long. Donc je vais pas filmer toute la longueur, hein. Comme vous voyez, je tire un peu sur mon fil, voilà ce que ça donne. Donc je vais terminer la couture donc ici jusqu'à l'angle. Et on se retrouve pour continuer la couture de la manche, tout simplement. Donc voilà ce que ça donne. Hein. Je vois ma couture hein, finie sur le côté. Donc là, je vais attaquer. Hein. Mon fil est là. Attaquer hein, à la couture de la manche. Donc pour cela, je mets. Hop. Là, je suis sur l'intérieur et ici l'intérieur. Donc côté face est là, donc le bon côté. Donc vous voyez, là on voit le petit bourrelet hein, léger. Hein. Donc je tourne mon ouvrage et je viens coudre en fait. Les manches par l'intérieur. Je vais mettre dans le bon sens. Voilà. Hop. Donc vous voyez là, c'est pas le côté joli, hein, c'est le côté intérieur. Hop. Vous voyez. Puis ben, hop. Là, vous voyez ma couture de mes boutons qui sont là. Donc pour le côté des manches, je prends, donc vous avez les V hein, qui se dessinent, donc c'est les V dont vous avez hein, rabattu les manches, et ben je prends deux V ensemble et je vais coudre comme ceci tout du long. En prenant bien donc deux brins ici qui forment un V et deux brins ici qui forment un V. Alors il y en a un qui prennent donc pareil hein, les V ici hein, et un V là, un point en avant, un point en arrière donc. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Soit vous revenez voilà, en arrière. Un V, un V.
et vous revenez lever en marche arrière que vous n'avez pas cousu. Peut être une solution aussi pour celle après il y a plusieurs possibilités hein. Donc après c'est à vous de faire comme vous le sentez, comme vous avez le plus à l'aise en fait hein, pour la couture. Je sais que beaucoup n'aiment pas la couture, moi non plus. Mais on n'a pas le choix. Donc voilà. Hop. Et pour une fois que vous avez fini ici, donc continuez comme ça tout du long. Une fois arrivé ici, moi je fais un petit nœud et je viens cacher mon restant de laine dans la petite bordure ici. En haut, hop, j'ai un fil ici, je prends mon fil et je recommence la même chose ici. Donc une fois arrivé à l'autre extrémité, je fais un nœud, je cache tous les fils et une fois que j'aurai fait tout ça, donc que je vous explique, on va remettre comme si c'était fini. Hop. Hop. Voilà. On va dire que j'ai fini ma couture de toutes mes manches, bien sûr bah, des deux côtés hein. Ici donc j'ai cousu avec, j'ai pas gardé, il y avait un fil vert donc j'ai cousu le petit bout vert ici avec, en fait hop, je prends juste un bout ici, un bâton, puis j'ai cousu pour fermer en fait tout simplement, comme ça il se retrouve, vous voyez, en quinconce. Une fois que j'ai fait ça, donc j'installe les boutons. Alors pour installer les boutons, donc moi j'ai pris deux couleurs différentes et je les couds en vert pour faire un rappel du vert ici. Et donc j'ai le violet et le rose. Donc j'en mets un haut, un en bas. Je mets ici donc bout à bout. Hop là. Ici j'ai l'encolure. Donc c'est à la hauteur de ça. Donc une fois que j'ai bien posé, que ça soit bien droit propre, je pose mon bouton et je couds les deux parties ensemble avec le bouton. Donc je passe mon aiguille à travers les deux épaisseurs et je traverse, hop, le bouton. Je sais pas si vous voyez. Et je le coup tout simplement. Une fois que j'ai posé celui-là, ben je viens poser le deuxième ici. Et une fois que mes boutons sont posés, je tourne. Hop là. Comme j'ai pas fini de coudre, du coup c'est un peu millimélo. Une fois que j'ai fini de coudre, comme je vous l'ai présenté, ben moi j'ai mis tout simplement cette fois-ci des pressions pour, alors j'ai pas fait de boutonnière hein, tout simplement, donc j'ai fait une pression ici, une pression là, j'ai mis deux boutons. Donc je vais mettre une pression ici, une pression là, tout simplement, pour tenir les deux morceaux. Et une fois que j'ai installé mes pressions, hein, donc il n'y a rien de compliqué à faire, tout simplement. Voilà,
Je reviens une fois que j'ai fini ma couture et je vous montrerai pour celles qui sont un peu curieuses pour poser les boutons pression. Donc je vous dis à tout à l'heure. Donc voici la brassière. Hop. Une fois fini de coudre, voilà, avec les gros boutons comme je vous ai dit. Donc en haut, en bas, sur les côtés. Donc là, je vais juste montrer pour les petites curieuses comment on installe les pressions pour celles qui ne connaissent pas. Donc je mets bien à plat correctement ma brassière. Voilà. Une fois qu'elle est bien à plat et que je l'ai correctement bien installée, hein, là, prenant compte des épaules et ici. Pour installer donc en fait les pressions, donc c'est des pressions en plastique qui sont pas du tout épaisses. Enfin, que j'arrive à l'ouvrir déjà. Donc je pars moi sur du verre. Alors hop, je mets une. Voilà. Deux. Et il me manque ici. Hop. C'est de là, j'en ai pas besoin. Du coup, j'installe ici la première. Hop. Donc je pose et tout simplement je centre bien le tout. Hop. Alors, déjà c'est parti. Voilà. Une fois que bien tout est bien calé, j'ai plus qu'à faire une pression. Et voilà, ma pression, elle est posée. Tout simplement. Alors quand je pose celle d'en dessous, hein, bien sûr, je positionne, vous voyez, hein, que je sois bien en face. Donc, on met pas le même morceau, la même chose, hein, c'est deux embouts différents pour pouvoir fermer. Voilà. Et j'ai plus qu'à clipser. Voilà. Tout simplement. Alors je souhaite en remettre une autre un petit peu plus basse. À ce niveau-là. Hop. C'était quoi que j'ai mis en haut? Hop, en haut, c'est celui-là. Donc, et je vais installer celle du bas à ce niveau-là. Ah, super travers. Donc voilà, je mettrai la deuxième après. Voilà ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne avec les deux pressions.
tout simplement, et le devant qui est ici, hein. Donc multicolore. Après, vous pouvez très bien le faire d'une seule couleur, hein. Pour la taille 6 mois, donc faut prévoir 4 pelotes. Donc, du coup, comme j'avais pas les 4 pelotes, il me semblait que j'avais 4 pelotes violettes. Normalement, je devais le faire d'une seule couleur. Et je me suis rendu compte que j'avais 2 autres pelotes, mais c'était pas le même violet. Du coup, j'ai changé en cours de route. Donc, violet, j'ai mis un peu de vert et du rose pour que ça reste sympa quand même, hein, au lieu de le faire tout uni. Donc voilà, il est très simple à faire, hein, donc rien de compliqué, une brassière pour des débutantes, hein, moi je trouve ça accessible, hein, pour du 6 mois, il va être très confortable, et pour cet hiver, hein, il va tenir chaud. Donc voilà, donc une brassière, brassière pull, hein. Parce que à la rigueur, vous pouvez très bien reprendre le nombre de mailles ici, hein, et le faire fermer derrière. Après, vous pouvez très bien adapter en faisant un pull, hein, au lieu d'en faire une brassière. Donc voilà. Bon. J'espère que la vidéo sera... vous aura plu. Ça n'a pas été évident de tout faire, tricoter, expliquer toutes les tailles en même temps. C'était la première fois que je le faisais. C'est un peu compliqué de tout faire. Mais voilà, j'ai voulu faire un essai. Je ne le referai pas. Parce que entre quand vous tricotez du 6 mois et que vous avez tout le défilé des mailles, des trucs en même temps, des autres tailles, ben à un moment donné, vous perdez un peu le fil, hein, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Donc, c'était un exercice un peu compliqué pour moi, de rester concentré sur une taille et d'expliquer les autres tailles en même temps. Bon, j'espère en tout cas que vous aurez réussi et que ça vous plaît. Donc je vous dis bon tricot à toutes. Pour celles qui n'est pas abonnée, ben, n'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est entièrement gratuit. Hein, et je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent. Hein, et je vous dis merci, grand merci. Hein, et je vous dis à bientôt.